sensation dans cette DS, franchement, elle est douce, facile à manier et tout. Mais moi, ce qui me frustre le plus, c'est le mode électrique. J'ai l'impression que la batterie se vide assez rapidement. Donc, je vais vous dire dans les commentaires ce qu'il y a comme autonomie dans la bagnole. Mais tu es très vite au mode thermique, quoi. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais là, je suis en mode électrique, il me reste 8%. Donc là, je suis en train de faire le frein moteur et tout ce qu'il y a avec. Et on verra ce que ça donnera. Voilà, là je suis en plein Bruxelles, comme vous voyez, c'est la file et je suis en full électrique. Et franchement, du point de vue électrique, si vous êtes un grand routier, évitez cette voiture parce que franchement, ça sert à rien. Mais vous êtes, si vous êtes quelqu'un qui fait de la ville, prenez cette voiture si vous avez une bonne borne de charge. C'est une voiture très confortable, tout est cuir, tout est peinard, tout à part panoramique. Franchement, c'est une très bonne bagnole. Et en full électrique, j'ai rien consommé en carburant. Et c'est vraiment magnifique. Bonjour, voici la DS 7 hybride rechargeable. Un moteur de 300 chevaux et un petit moteur électrique. Et ça pousse très très bien. Dans cette bagnole, vous avez le must du must. Ok, vous avez un écran GPS, le mode électrique et tout ce qui va avec. Elle est vraiment pas mal. L'instrumentation et tout ce qui va avec. En gros, la conduite autonome fonctionne plutôt pas mal. Là, je fais absolument rien et la voiture, elle se conduit toute seule. C'est vraiment génial. Elle maintient la distance et tout ce qui va avec. Et franchement, là-dessus, je suis pas déçu. Mais j'ai quand même 0% d'autonomie. Voilà, comme vous le remarquez, la voiture pousse plutôt pas mal pour un 4 cylindres de 1,6 de 200 chevaux et les deux moteurs électriques. Comme vous voyez, la conduite autonome marche plutôt pas mal. Je suis vraiment très ravi. Mais par contre, j'ai 0% d'autonomie de batterie et le système de récupération d'énergie ne font pas vraiment effet. En gros, pour résumer le tout, une bonne voiture pour la ville, mais pas vraiment pour le grand routier. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Là, en ville, franchement, je n'ai pas consommé de l'essence. Et là, je suis à 8 km. Bientôt, je vais entamer l'autoroute. Et là, forcément, j'aurai affaire au moteur thermique et la puissance phénoménale de 300 chevaux sur un Lexus. Mais belle voiture, une bonne voiture à acheter uniquement si vous n'êtes pas un grand routier. Voilà, en gros, pour résumer cette DS7 Crossback hybride rechargeable, une puissance cumulée avec les deux moteurs électriques de à 300 chevaux et un couple de 520 Nm. C'est une voiture vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Mais la question se pose toujours, à mon sens, à quoi servent ces genres de bagnoles? Surtout si c'est un hybride qui se recharge. Parlons un peu de la Prius. La Prius, c'est une voiture hybride qui se recharge soi-même, n'a pas besoin de prise. Cette grosse DS, qui est bien lourde, a besoin d'une borne de charge. Donc, en ville, les constructeurs préconisent comme quoi cette bagnole peut aller jusqu'à 58 km. C'est archi faux.
j'ai fait plus ou moins 32 ou 34 km. Et encore, lorsque vous êtes en accélération sur l'autoroute, la batterie, elle se vide. J'ai quitté Namur jusqu'à Bruxelles. Je me suis retrouvé à Bruxelles dans les embouteillages avec 18 km d'autonomie. Et faire 18 km en full électrique, en plein Bruxelles, dans les embouteillages, ça va parce que vous n'utilisez que l'électrique lorsqu'il y a des freins, des freinages et des embouteillages. Mais après, s'il ne vous reste plus rien, vous êtes en full thermique. Voilà. Donc, si vous faites de la ville, que vous habitez la ville et que vous circulez en ville, cette autonomie, pour ne pas dire 58 km, mais de 34 ou 32 km, voire peut-être 38, ça dépend comment est-ce que vous roulez, si vous ne mettez pas la climatisation. Cette voiture est vraiment avantageuse. Mais acheter ce genre de voiture dans une ville et circuler qu'en ville, et rarement sur les autoroutes, je crois qu'on est un petit peu... Voilà, il faudra investir sur une borne de recharge. Mais il faut quand même avouer que les genres de personnes qui achètent ce genre de voiture ne sont pas non plus des pauvres. On est d'accord. Mais je veux dire clairement que là, je ne vois pas l'utilité de ce genre de bagnole par rapport au diesel. Oui, le diesel, ça pollue. Oui, l'essence, ça pollue. Oui, tout ce que vous voulez. Et l'électrique aussi, en soi, ça pollue lorsqu'on fabrique des batteries. Oh, ça, on est sur un autre débat. Mais je ne vois pas l'utilité de ce genre de bagnole. Mais du point de vue bagnole en soi, pour moi, la bagnole, elle est tout simplement au top. Rien à dire. Elle est tout simplement au top. Mais je n'achèterai pas personnellement cette voiture pour mon usage personnel. Mais moi, je vous conseille à ceux qui veulent l'acheter, si vous habitez la ville, que vous faites souvent de la ville, achetez ce genre de bagnole. Mais si vous êtes un grand routier comme moi, le diesel, ça c'est clair que ça reste la meilleure option. Tiens, pourquoi on ne fait pas des camions en essence? Parce qu'ils savent très bien que ça ne vaut pas la peine. Et pourquoi on ne fait pas des bateaux à essence? Ça ne vaut pas la peine. Donc voilà mon gros résumé de cette bagnole.